Salut Flofla. Ah, on peut crafter des épaulettes. Ah, je les avais déjà craft tout à l'heure. J'ai eu des. Sur les 5 que j'ai fait, j'en ai eu qu'une avec de la dextérité. Et j'ai même pas Oh, eu moi je veux d'XP dessus. d'XP moi. Ah, c'est bon, plus 8 là. Sérieux? Ouais. Attends, Tu j'en veux de la refais alors. dextérité? J'ai plus 8. Ça, Attends. c'est pas mal là. Un tel leader, non, je. Force, non, j'ai pas d'XP. Bah, j'ai exactement les mêmes, tu vois. Bah, tiens. J'ai de l'XP là. On va prendre ça. Hein. Et un casque, qu'est-ce que je peux? Ouais. Bah, j'en ai un bleu, c'est sympa. Enfin, peut-être que. Je suis leur frère. J'ai mis un tel XP. Calme-toi, ça va bien se passer. Non mais j'essaie de. En fait je voulais faire monter mon chi mais je peux pas. T'es pas dans. T'es Faut que pas je d'en tape haut là. vraiment. C'est pas du chi? Yeah, c'est de l'esprit, c'est pareil. Esprit, chi. Espèce de panda. Je voulais faire quelque chose. Ouais, y a moyen de masquer les casques. Je sais plus. Parce que Option c'est très moche. jeu Bah, apparemment non. Parti. Ah, c'est les araignées là? Non, pas bah déjà. Bah si, araignées. Oh putain. Le level qu'on préfère. Ah, toi, il y a la descente vers Diablo qui était. Ouais, ça c'est. Enfin, en plus, c'est là où j'ai perdu un de mes persos hardcore. Ma haine me chante des mots. Bon là, les chakrams, ça va pas être super efficace par rapport au tir rapide. La colère. Putain, ils font mal les petites merdes. Ah, t'as la cloche! Ouais!
Mais il faut que ma barre d'esprit a taille complète. D'esprit. Ah, tant que t'auras pas... Il y a un passif qui te... qui te régène ton esprit et qui t'en... surtout qui t'augmente la... le nombre d'esprit max que tu peux faire. Parce que là, la cloche, tu peux la mettre combien de fois? Une fois? Une fois et... ah, après, tu verras, tu peux arriver à la mettre 3-4 fois d'affilée, quoi. Est-ce qu'on aurait déjà trouvé la fin? Mal tout à merde. Ah, ça la met pas... ça la met là où est ton curseur. Sac, sac, sac. Ok. Bah, c'est bien. Non, ouais, je pensais de l'avoir mis justement. Après, si tu la mets à un endroit où elle peut pas aller, ça se décale. Je pense que c'est pour ça. Encore un sac, cool. Chancelier Aemon, il est de la plus haute importance de protéger mon manoir face à la fange traîtresse de Tristram. Les cavernes, situées à l'est, sont bien trop proches de mes terres. Ils doivent donc être condamnés, fermés à jamais. Je crois savoir que l'archevêque Lazare a dernièrement réussi à soumettre des arachnides par la magie. Cela pourrait nous être utile. Ma maîtresse m'a accepté. Venez. Bon, on a esquivé quand même pas mal de trucs. Ouais, tant mieux. Ouais, on va se faire buter par le... par le boss parce qu'on est trop weak. Non. XP. Ah ouais. Ouais.
Là, on lui a bien fait mal sur ce. Venin pour dissoudre la toile. Oh, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Un anneau jaune ou... Si je reste accroché comme ça une seconde de plus, je vais devenir folle. Puis une hache de main. Ah non, une... Tiens, regarde pour toi la hache. Hein. Ceinture. Est-ce qu'on peut partir de cet endroit horrible maintenant? Et par rapport à l'autre. J'ai une bague force intel, quoi. Bah je vais la prendre pour remplacer l'autre. Je la rendrai après celle-là. Là, j'ai une ceinture, elle me fait quoi celle-là? Ouais c'est limite. Bah regarde si la ceinture a pas. Ah merde, je suis sorti, vas-y. Ouais ceinture. Je gagne des PV. Et les bonus. Tu perds de l'XP quand même. Vas-y, garde. C'était effroyable d'être prise là. La... Le bâton est dans. On va partir en dispel là. Ça. Il y a un buff ici. Ouais alors ouais ce qui est bien avec ton la cloche c'est que ça, ça vu que ça les bump en arrière ça les interrompt tous ces trucs là qui sont déjà ding. Ouais ouais. Encore un champion. Tu m'as bien rattrapé. Et il y a un groupe d'élite derrière. Oh. Et heureusement qu'on a le buff réduction de. Et heureusement qu'on est que level 13. Hein. Trésor.
Putain, mes trucs au sol là, ça les ralentit 80% maintenant. Oh, le poison, ça pique. On fait quoi? On nettoie la zone? Bon, on essaie d'en faire un maximum. Gobelin. Ouais. Et grotte. On va faire le gobelin. De rien. J'ai encore. Oh bon. Ah mais le la réverbération du. De la cloche, elle met plus de temps que tu détiennes, à mon avis, ça c'est pas celle-là, c'est cool. La quoi, la réverbération quoi? En fait, quand tu sais, quand tu mets la cloche, ça envoie une. Ah oui, ouais. Une des ondes, et en fait, quand je joue à... quand tu joues avec ton moine, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus rapide. Parce que je crois que ça dépend de la glyphe après. Il y en a une, c'est carrément un poteau qui fait vachement plus tard. Mais ça fait genre 1800% de dégâts de ton arme, un truc comme ça. Mais c'est. Je crois que t'as un délai de 3 secondes carrément. Donc quand tu joues en groupe, c'est chaud quoi pour les 3 secondes. T'as d'habitude. Y a des... Je peux pas te comparer non plus à moi quoi. Wow. J'ai la classe moi. Y'a pas de soucis. J'ai l'impression que t'as un pistolet d'or dans tes mains. Ouais, j'en ai deux là maintenant, des arbalètes. Je dois avoir une poison, une voile de vie donc. Ah, je sais pas, la poison une... me fait penser ouais. Au pistolet d'or. C'est un buff. Expérience à la fin de la grotte. Ah, bah, ok. J'ai longtemps travaillé à la maîtrise des arts occultes. Aujourd'hui, je récolte les fruits de mon labeur. Ma dame a remarqué. Ah, elle m'a promis une mission spéciale qui servira la gloire éternelle du maître. Jusqu'à ce qu'elle me révèle ma tâche à l'aube, mon exaltation restera totale.
pour que les buffs n'aient pas l'aime tout ça, ça n'est que à partir du level 60. Ouais. Sacoche, pardon. Des hommes boucs. Tout ce dur labeur pour un troupeau d'hommes boucs, abjects et malodorants. Magda affirme qu'ils seront nos plus précieux alliés et qu'une tâche aussi capitale doit être confiée à nul autre que moi. Mais j'ai bien compris le message. Me voici, ô combien douloureusement remis à ma place. Salut Galaxy. C'est quoi le redémarrage dans 2 minutes? Je sais pas. Ah, y'a pas une mise à jour aujourd'hui ou un truc comme ça? Non, c'est des conneries, je pense. Bouquin. Bien que la nouvelle Tristram et les champs qui l'entourent aient été recolonisés. Je l'aime bien. C'est de la nécromancie. Trop tard, idiote. Les esprits mobiles. C'est moi qui l'a traité d'idiote là? Non, c'est toi. Non. Magda n'est qu'une jambe survolée. Ça fait une seconde. Les corps de ces primitifs, je vais lever une armée d'âmes que je soumettrai à mon implacable volonté. Oui, et une fois ces hérétiques sous mes ordres, les royaumes du monde ne pourront plus que s'incliner devant la puissance du Seigneur des Boucs. Oh, j'ai tout mis dans l'arme. Il faudrait pas. Je croyais que ça est passé. J'ai plus de place dans l'inventaire. Non. Ah ouais. Par contre, il faudrait qu'on aille TP, je suis full bleu. Ouais, ok.
En bague, t'as quoi? T'as besoin de d'XP ou tu les as achetés aussi au marchand? Je les ai achetés au marchand. J'en ai une, je crois, plus 6 XP. J'ai looté une collection de ceintures pour barbares. Les tribus Khazra deviennent une vraie menace. Elles se sont mises à attaquer les caravanes et elles s'aventurent dans des zones où elles n'avaient jamais osé pénétrer avant. Il faut que vous vous occupiez de ce problème pour nous. Nous vous paierons 25 pièces d'or pour chaque tête de Khazra que vous nous rapporterez. Attends, je crois qu'il y a une... Ouais. Une grotte. J'arrive. C'est toujours ton TP de ton sort qui frappe là. T'as un TP. Oh, j'en ai deux, j'ai le TP du sort qui frappe et j'ai la frappe frappe éclair, tu sais, ça m'envoie sur la personne directement. Pour finir. Oh, j'arrive.
manges à quelle heure là? Un néo. Je parle pas dans TS, ça va pas aller. Ah si. Non non mais là ouais mais. Je te demandais tu manges à quelle heure? Ah bah je... ah oui bah je pense qu'après cette quête là je vais je pense que je vais faire à mon vie. Justement je commençais à avoir le ventre qui me dit et qu'est-ce qui se passe là? Moi je me rends plus compte parce que là on va faire cette quête là et puis on va arriver après pour la descente infernale, non? Je sais plus. Je sais plus ce qu'il y a. Je pense pas qu'il y ait de boss. Non. Vengeance. Ça il est grand hein, grand. Ouais, bah GG. Oh ah, je te rattrape. Cheater, campeur escroc. C'est pas en combat? Ouais, non, c'est bon. Ah, mais si je fais ça, je me TP plus aussi. Ouais, on va. Oh oh, c'est quoi ça? Ah ça c'est bien. Ça c'est gros préparation mais je prendrai plus tard. Par contre c'est bizarre, j'ai tir au bolas, ça marque nécessite arc et j'ai des arbalètes. Je pense qu'ils ont pas fait la traduction complète. Ouah. Ouais bizarre. La cloche, c'est le finish him de... Oh, tu vas faire des chiffres de fou avec ça. Le temps que je serai en vie. Ouh. Oh, le piège à con, non? Ah non. Ah bon, à ce niveau-là, c'est la sortie. Est-ce qu'en face il y aurait quelque chose? Il y a un corps par terre, c'est peut-être un bouquin.
Non. Cette pièce d'or, je me déplace pas. T'as pris le blanc. Non, sérieux, ah. C'est ce que je me suis dit, il y avait quelque chose que quand j'ai cliqué. T'as vu le tronc pétrifié là, c'est carré, moi j'ai jamais vu un. Ah ouais. Ah, mais bolas là, elles font des explosions de fou maintenant. Ouais, bah c'est. On terminera sur le TP du manoir. Oui, de toute façon, oui, on couvre la cour du manoir et puis on ira par là. Perso pour 13 pièces d'or.
Un jour ça nous arrivera, hein, de... La cupidité nous perdra. Je pense que c'est Jacques que ça a fait le plus perdre de points de vie. C'est ça, projette le plus loin. Je lui ai sonné les cloches. Les rustres qui m'accompagnent n'éprouvent pas la moindre curiosité au sujet des Khazra. Tout ce qui les intéresse est la récompense offerte pour leur tête. Mais j'ai l'intime conviction qu'il est possible de communiquer avec ces hommes boucs. C'est certes dangereux, mais je suis prêt à prendre ce risque. Ici, bon, je termine le coup. À mon avis, il ne doit pas y avoir grand chose à faire. Aucun. Tout le monde est mort. Bellar, cet inconscient, a été tué par les Khazra en essayant de communiquer avec eux. Puis les fanatiques sont arrivés. J'ai décampé dès que je les ai vus. Je voulais pas faire les frais de leur magie maléfique. J'ai entendu. Maîtresse, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai brisé les prisonniers de Wartam. Les mots ont coulé de leur bouche comme le sang d'une plaie béante. Nos invocateurs peuvent s'emparer de l'arme quand vous le déciderez, et l'ennemi n'en saura rien. Oh, un jaune. Pour chasseur de démons, non? C'est un bouclier, je crois.
Il y a une grotte là. Avec une quête. Oh. Les fanatiques ont enlevé mon frère. Alors il faut le secourir. Les fanatiques ont empoisonné mon frère et m'ont traîné jusqu'ici pour pouvoir me voler mes élixirs. On va leur montrer quel est le vrai prix de leur avidité. Oh ouais, tu m'as mis une bulle, ça y est, putain. Ouais. C'est ça qui se fait à la fin de la grotte. En plus, y'a qu'un level à la grotte. Ah, je crois qu'il est en train de... Il est là. De quoi? C'est lui, là, son frère. Il serait mort si vous n'aviez pas été là. Vous êtes prenez. C'est jeu. Merci. Il n'y a pas comme ça. Voix des 1000 points, c'est quoi ce truc? Ah, c'est pas mal ça. Ah, les grenades. Ah, j'ai un autre. Ça vaut pas les bolasses, mais je vais tester un peu. Ah ouais, c'est trop lent. Il y avait rien d'autre côté? Non. Ouais. C'est quel perso dans Street Fighter qui faisait ça avec ses mains? C'est pas Chun-Li, c'était les pieds. Les mains, c'était Honda. Le sumo, c'est ça.
Bon, à mon avis, glyphé doit être pas mal ce... On aura bien travaillé aujourd'hui. Non, pas encore. Livre. Un nouveau pion est arrivé sur l'échiquier. Une jeune fille appelée Léa. D'après mes démons, il s'agit de la fille d'Adria la sorcière, qui se cache dans les déserts de Caldeum. Rapportez immédiatement cette information au maître. Impossible de l'arrêter. Ce n'est pas une mortelle pour massacrer nos frères si... Elle est là. Meurs en silence. Ralentissez-la pendant que je prépare sa perte dans les profondeurs. Voilà, comme tu dis. Allez voir chez Léa, c'est un bouquin. Ouais, okay. Oncle Descartes n'est plus là. Je n'arrête pas de ressasser les souvenirs de quand nous étions tous les deux, lancés dans une de ces folles quêtes. Qu'est-ce que je vais faire sans lui ? Il était persuadé que l'étranger est un ange. Ah, c'est Kane. Mais ce n'est qu'un homme. J'ai toujours su que tout ça n'était que des histoires. Et mon oncle est mort pour elle. Car quoi, t'équipes pas, hein, t'as des armes, t'as de grosses armes. Là, pour l'instant, à moins que t'aies un jaune, mais... Non. C'est de la merde. Allez, au revoir.
Une arme à une main, une hache à une main, 14 DPS plus 6 XP. 14 DPS, ça pourrait être pas mal pour remplacer la masse, ça fait et voir. J'ai une masse à une main, 7 XP. Je vais prendre la 7 XP et je vais prendre ta masse. Et l'autre, non, je te la rends, c'est là. Et de toute façon, dans un level, ouais, j'aurai une arme légendaire. Ouais. Un allié kiffe mon groupe. Bon bah c'était sympa. On a bien avancé. Hein. Prochaine étape, le boucher. Ouais. Ah, j'ai des coffres full jaune, mais c'est que du haut level. Quoi. Ouais. Bon bah je te souhaite une bonne journée à mon avis. Oh putain, tes coffres ils sont remplis. Mais oui. Ouais, ils sont remplis de chez remplis. Il est trop moche le casque. Bon moi je les prépare à manger. Je te souhaite une bonne après-midi si on se revoit pas. Et puis bon courage pour le début de la semaine. Ouais, ça roule à la plus. Salut, à plus. User disconnected from your channel. En général, on joue à Diablo que le samedi ou le dimanche matin. Donc la suite, bah, certainement la semaine prochaine. Merci d'être passé.